Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous apprendre à dessiner un cercle à main levée. En fait, la vérité c'est que c'est pas du tout à main levée, c'est plutôt une technique de tricherie. Je vais me servir de ma main comme d'un compas. Et vous pouvez observer les points d'appui. Donc là c'est l'extrémité de la première phalange du cinquième doigt. Premier cercle pas trop mal. Je vais essayer de diminuer un petit peu le rayon des cercles au fur et à mesure. Je vais changer de point d'appui, je vais changer de prise surtout. Pour vous, prenez la prise qui vous convient le mieux. Moi, ce sera une prise un petit peu peut-être différente de la vôtre. Tout dépend de la taille de votre main, de la taille de votre crayon aussi. Le deuxième est pas trop mal. Le premier ressemblait un peu au bossu de Notre-Dame, mais je crois que le deuxième est pas mal. Donc là, je vais resserrer un petit peu le rayon avec l'index. Donc là, je suis en appui sur l'extrémité de la deuxième phalange de l'index. Et ce qui peut arriver, c'est que on peut ne pas finir son trait, ça arrive. Voilà. Ça arrive. Donc là je vais resserrer encore plus, je vais devoir prendre appui sur l'extrémité de mon pouce cette fois-ci, et plus vous allez resserrer et plus c'est difficile, hein. Ça c'est sûr. Donc là plus le droit à l'erreur et c'est le drame. Donc là un petit décalage d'un ou deux millimètres, mais vous allez voir qu'avec l'expérience vous allez faire bien mieux que moi je pense. Voilà. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et puis prenez soin de vous et à vos crayons.